B. Joël, relis-le après. On va d'abord tomber dans l'eau, un champion. Et ça commence à merde. À peine à vous y aller, et à pouvoir y aller, et le maître des maîtres, des Bordeaux Licouves, fort et des forts. Approchez la fanatique, venant courir rapidement. Voilà. Donc, comme je le disais, hier, j'ai fait une sortie concernant Asselfo. Oui. De non-assistance d'une personne en danger. Voilà. J'ai été clair, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Non, je m'impose aussi cette affaire. S'il réagit, il réagit. Pour le moment, il est calme, tout est calme. Il dit ce qu'il pensait et puis il passe à autre chose. Il s'y impose. Si aux aguets, il attend. Il attend seulement. Voilà. Il attend. J'attends. Voilà. De toute façon, c'est fini. Cette collaboration d'hypocrite où tu crains tellement une personne, tu mets la personne à côté de toi, à tes côtés, ou mieux l'étouffer, l'endormir. Et comme Dieu ne dort pas, tout a été démasqué. Et voilà. Voilà. Donc, je ne suis pas du genre à me laisser marcher là-dessus. Je ne vais pas commander l'amour d'une quelconque personne. Non. Je suis bêté et fier. Ah, je suis fier. Et je suis dans la vérité. Bon, pour le moment, personne ne croit en Desbordes. Vous savez, quand je démarre, je me lance, je fais des déclarations, personne ne me suit. Mais ne vous inquiétez pas. Tontine qu'ils ont créée là, chacun va goûter ça. Feu, tu dis avant d'goûter. Nous, on riait. On dit là, ça te loupe, ça te loupe, ça te loupe, ça te loupe, ça te loupe. Tontine est venue tomber sur moi. C'est tombé sur Jim's VDA. Les influenceurs qui bavardent beaucoup, beaucoup là. Franchement, j'ai écouté vos conseils. Oui. Il y a quelque part de vérité. Mais en même temps, il y a de l'ignorance dans ce que vous sortez. Vous ne savez pas plein de choses. Vous savez. Il y a des gens qui ont un comportement, c'est-à-dire officiellement, ils s'attribuent une image. Mais officieusement, il y a une vérité. Il y a la vraie personnalité. Oui. Comme je le dis, je m'impose. Et puis j'attends. Dossier comme Papo, d'Asselfo, c'est dans ma main. J'attends. Oui. C'est dans ma main, j'attends. Voilà. Je ne suis pas quelque part ici à Abidjan. Oui. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Quand tu veux aider, il faut aider. Voilà. Quand tu ne peux pas, il faut laisser. Arrêtez de trouver des prétextes. Qu'au nom, il fait clash ici, il fait tant ici, il insulte tant, il insulte tant, il insulte tant. C'est connerie. Tu n'as pas envie de faire, tu n'as pas envie. Tu ne trouves pas d'intérêt, tu ne trouves pas d'intérêt. Il a juste endormi un peu l'opinion publique. Mais c'est tout. C'est ce qu'il a fait. Il a endormi.
On dit non, de Bordeaux, de Koumfa, il a fait Femia pour toi, il a fait concert. C'est une collaboration, c'est un business. Si tu ressens le besoin d'appeler de Bordeaux, de Koumfa, ben on est là, tu proposes l'argent, mais ben nous on fait ton travail, c'est prestation de service. Retenez surtout ça. On n'a pas forcé quelqu'un à venir chercher de Bordeaux. Non. On n'a pas forcé. C'est au nom du business. Kono, il a fait concert, il a fait tant, il a fait tissi, il a fait cela, il a fait nanani. Tout ça, c'est au nom du business. On a drainé du monde. Il a fait son pia, il y a eu mon pia. D'un côté pia là, il y a un truc qui s'est passé, mais il ne peut pas tout dire. Je reste calme, je respire. J'entends les gens dire, non, de Bordeaux, tu fais une dépression, nanani, machin. Oh, laissez ça, arrêtez d'étouffer mes propos, il n'y a pas de dépression ici. Où est ma mine? Très bonne mine. Je n'ai pas l'air fatigué, mais je suis juste déçu, en fait, de ce que je vis, en fait. J'ai cette impression que toute la Côte d'Ivoire m'en veut pour, je ne sais pas, je ne sais pas, mais mon oreille est puissant, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ce que Dieu prépare pour moi est d'une autre dimension. Ce que Jésus a prévu pour moi est d'une autre dimension. Et ces éléments, voyant ça, veulent m'étouffer. Vous avez menti. En nous, allez, on est devant. Oui. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas, ils ne vont pas t'aider. Ben, ils ont juste besoin de s'affirmer, de faire monter leur notoriété, de montrer combien de fois ils sont crédibles vis-à-vis des autorités. Donc du coup, tout ce qu'ils peuvent rassembler, tout acte qu'ils peuvent poser, qui va sembler, ou bien qui semblera, qui semblerait, ou bien qui sera beau à voir devant l'opinion publique internationale et même aux yeux même de nos autorités, ben, ils le feront. Voilà comment. Ce dernier, à Salfou, s'est servi de moi. J'ai un peu mal parce qu'il y avait plein de choses en perspective. Oui. Plein de choses en perspective. De belles musiques. Plein de choses. Ben, vous savez, il y a des gens, une fois, ils ont un certain pouvoir, automatiquement, ils pensent que c'est fini. La vie, c'est pas aujourd'hui. La vie, c'est demain. Oui, c'est demain. Vous avez un certain âge. Nous, on est encore à la fleur de l'âge. Mais de par la sagesse, on ne va pas rentrer dans certains détails. Mais la vie, là, c'est le partage. On dit, non, de Bordeaux, tu as eu tel comportement, je suis désolé. Quelqu'un dit, il s'auto-proclame, qu'il va t'aider. Toute une canne, un mois si un mois. Même pas un spectacle. Même pas un spectacle. Et on veut me faire comprendre que de Bordeaux, tu ne travailles pas. Je suis désolé. Il y a plein d'artistes qui ont presté ici. Hein. Mais moi, figurez-vous, hein, les gars m'ont clavé. Ils m'ont clavé. Nuit était le monsieur Karim Ouattara, que je salue au passage. Karim Ouattara. J'ai fait un seul spectacle avec Karim Ouattara. Un seul. Parce que quoi? Tout le monde a fermé des Bordeaux. Mais ils ne savent pas comment Dieu se manifeste dans ma vie et puis j'arrive à m'en sortir. Ha! Le Dieu que j'ai pris est fort. Ils ne savent pas comment ça se passe, j'arrive à m'en sortir. Merde. Quand ils arrivent en boîte de nuit, ils me voient, c'est que du champagne. Ouais. Je ne suis pas voleur. C'est que du champagne. Renseignez-vous un peu à vos camarades. Je ne souffre pas. Tous mes frères et sœurs ne souffrent pas. Parce que nous sommes leaders de nos familles. Nous avons l'art du leadership. Nous avons l'art du partage. Il y a certains de nos grands frères qui font esprit. Ils vont vous faire croire, vous faire miroiter qu'ils vont vous aider, mais ils ne peuvent pas. Ils ont peur que tu les dépasses. Ils sont apeurés. C'est tout. Oui, ils refusent de t'aider parce qu'ils connaissent la vérité. Et Rian Angobélé,
Et c'est là que lui, la chien, là, ça a amusé. Ça a quitté dans les mains. Fort. Oui. Il y a Dieu dedans. Figurez-vous, toute la canne. Toi, on dit ton vieux père à Salfo. Moro cassé, tu n'as pas gagné dans la canne. Pour terminer en beauté, ça dit au début, au milieu, à la fin, des Bordeaux, zéro pointé, un combo. Alors qu'on t'a pris comme coup pissionné, non, je le prends comme le cinquième magicien, plefi, plefi, clo, 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 une plaque, 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 on t'y a tout, qu'un galère bien collé. Nous tasse à fouet. Qu'est-ce qui est comme ça? Si au père. Comme il m'a dit, mais ton grand-père, ça a sale fou, non? Ah, nous, on s'en va pas rester, hein? Nous, on s'en va, hein? Viens les sept villages cannes. Il dit sept villages cannes. Même un seul pour une autre dévoro tient, va gérer tel artiste, jamais de la vie. Ils se sont servis de moi. Je les lave aux yeux. Ah, ça le fou m'a fait ça. Ah, je parle. Vous voyez un peu. Effectivement, ça fait mal. Mais bon, je prends la vie du bon côté. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et je crois ce qu'il a mis en moi qui est comme talent. Et tout ce qui est paramètre pour avancer. J'y crois. Je ne suis pas découragé. J'ai mal, mais ça va passer. C'était juste pour vous montrer le vrai visage, en fait, de ces grands frères qui vous font miroiter. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là juste pour vous utiliser. Quand ils font chanson et que ça prend, ils vont vous raconter, non, petit, nous, on peut faire ça. Et, mais pour lui, tu es dans la boue, on te prend pour te soulever, non, pas tant. Parce que quoi, j'en laisse circuit tranquillement, où il doit d'abord. Il n'y a pas tant. On passe à autre chose. Vous comprenez un peu. Et c'est le caractère de ces personnes-là. Voilà. C'est-à-dire tout pour eux, rien pour les autres. Voilà ça. Je le dis avec froideur, calme. Et voilà ça. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Ben, de Bordeaux, les confins. À Salfou, moi, je t'ai dépassé. Oui. Pourquoi je continue de te respecter? Parce que je sais d'où ça a commencé, ta carrière. Tu es un modèle. Tu es un modèle. Mais niveau personnalité, niveau toi-même, ta personne, bien, tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas tout faire. Pourquoi il dit vieux même? À ça, il faut. Tu ne peux pas tout connaître. Tu ne peux pas tout faire. Il y a des ratés niveau comportemental te concernant. Oui, il faut revoir ça. C'est un petit qui te parle. Je préfère m'arrêter là. Et puis, il y a tant maintenant. Les blogueurs qui sont sous Internet, les influenceurs qui sont sous là. De vous, on vous a vu ici. Hein? Quand on vous a mis à la porte ici par rapport à Kokana, vous avez pleuré ici. Hein? Moi, vous regardez. Quand vous avez fait comprendre que le moment, c'est un moment, c'est fond, c'est en eux. Vous ne m'avez pas écouté. Ils vous ont montré comment ça se passe. L'an des tortines, là, vous avez mangé votre tout. Maintenant, je viens vous expliquer une situation. D'où moi-même, Debordo, le coffre, c'est en train de lire l'heure. Vous voulez prendre défense. Il y a quelle défense dans ça là? Kono, Debordo, tu clashes tout le monde. Il y a des promoteurs qui ont peur de t'aider. De peur que... Pardon. Ah, c'est là tout. Il y a des promoteurs qui ont peur de t'aider. De sorte que... Hé, hey, promoteur, pas promoteur, champion. Tu as mon âge, il fait ton travail. Tu as mon argent, il fait ton travail. Tu n'es ni mon père, ni ma mère pour faire mon éducation. Dans la société, il sait comment m'éteindre. Et moi, il dit, là où il y a des fausses personnes, c'est avec ceux-là, on ne pourra jamais s'entendre. Si moi, je fais discours avec toi, c'est que tu n'es pas bon. Si je fais discours avec toi, c'est que tu n'es pas bien pour moi-même et même pour la société. Arrivé à mon niveau, là, mes anges-là me protègent. Donc là, c'est comme un truc qui te repousse, en fait. C'est spirituel, c'est fort. Les dimensions sont fortes. Ouais, c'est fort. Maintenant, les influenceurs qui sont chauds là, à sa fois venir vers vous, il va rentrer dans votre vie. Et puis le retour là, il est venu me faire. On est assis par terre. Ton rang de tortine, ça là. Vous aimez manger aussi. Si vous voulez manger, venez. Partez là-bas. Ah, c'est où il y a des enfants. J'ai senti bagner ça. Est-ce que moi, il parle? C'est où il parle, non? On dit, oh non, lui, là, c'est comme ça,
Bah quoi, mon gars a déjà, il a l'argent, les grands coins dans la vie, mon cher. On dit lui, il a l'argent, il a toujours raison. Mais moi, si ma ligne, que tu as l'argent ou pas, je suis dans la vérité et je te dirai ce que je pense. Oui. Je ne cache pas mes vérités. Je te dis ce que je pense et puis je me barre. C'est tout. Hein? Qui paie mon PDC ici? Je n'ai pas envoyé les gens ici. Donc voilà. C'est un peu ça. Donc ces blogueurs qui bavardent, vous ne connaissez pas. Vous savez, quand vous êtes derrière vos écrans, vous ne connaissez pas la réalité. Vous ne connaissez pas. Nous, on est dans le secret des sorciers de ces derniers-là. On est dans le secret des sorciers de ces derniers. Et même de ce dernier, à Salfo. Je ne vais pas le dénigrer pour dire non, quoi, quoi, quoi. Je dis, moi, me concernant, il s'est mal comporté et il a mal agi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, ça a réussi. Mais moi, mon côté là. Mais tu disais. Asabo, merci. Tout ce qui est gombo, il faut garder ça pour toi. Et si tu as des chaînes de télévision, dans la ligne machin, où tu penses d'après toi que tu peux bloquer ou même fermer, tu te prends pour le summum, pour l'élite même, le dieu même des Ivoiriens, le dieu même des artistes de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Moi, là, si il vient te demander, là, il faut fermer la porte. Si il mange chez toi, il faut fermer la porte. Il n'y a plus besoin de ça. Quelqu'un même avant même va demander sa carrière, même tout le monde l'a fermé. Mais Dieu s'est manifesté. Dieu a ouvert plein de portes, on a tapé les dents. Aïe. On est là, quoi, 2 ans, 6 ans, il n'y a pas de spectacle. On dit, mais lui, il fait comment pour payer sa maison? Il fait comment pour aligner ses voitures? Il fait comment pour boire champagne matin, midi et soir? Il fait comment pour gérer ses enfants? Comment il fait pour gérer sa famille? Ici, un patron. Pas je suis, mais Dieu est fort. Et il agit dans ma vie. Je ne peux que le rendre gloire. Parce que j'ai pris beaucoup, hein, et puis je jeûne beaucoup. Et je conseille à tous les Ivoiriens de le faire. Surtout à tous mes fanatiques. Voilà. Donc, on est là. Voilà, donc c'était un peu la petite parenthèse concernant Asafo. Moi, je crois que voilà, je vais mettre une pause et j'attends. Dès que Viela sort sa tête, il est babou. Direct. Pourquoi est-il vieux même? Dès qu'Asafo sort sa tête, il le babou. Au calme, je le babou. Voilà, liberté d'expression. Tu es mécontent? Tu dis. Voilà. I don't give a fuck. Je n'en ai rien à foutre. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, j'aimerais adresser un message aussi aux autorités de Côte d'Ivoire. Autorités de Côte d'Ivoire, vous-même, vous connaissez. Oui. Peut-être que certaines personnes qui bossent autour de vous ne vous disent pas la vérité. Oui. Ils ne vous disent pas la vérité. Parce que, très chères autorités, moi, j'aimerais savoir quels sont les critères pour être décoré. Oui. Parce que chaque décoration doit avoir au moins une histoire. Un gars comme Hassan Hayek, quand on décore, lui, ça, c'est excellent. Parce que ce monsieur-là, il a créé une plateforme où il aide la population et nos populations. Parce que quand il y a des malades, quand il y a des gens qui souffrent, parce qu'une fois je suis arrivé là-bas, mais le monsieur, son téléphone va se casser. À peine, il va faire une dépression. Parce que tout le monde lui demande de l'aide. Et il crée toujours des situations pour subvenir aux besoins de chaque personne, ici et des Ivoiriens. Ça, il a une histoire. Lui, là, quand le décor, c'est excellent. Ça dit, c'est propre. Hassan Hayek, j'adhère et j'accepte cette décoration. Là, on comprend. Des footballeurs qui sont décorés au rang des chevaliers, c'est propre. Parce qu'eux, là, ils se battent pour la nation. Mais il y a eu des Saint-Juin qu'on a décoré là. Je ne sais pas. Je sais pas. Des Français sont tombés maintenant. On donne ça comme ça facilement aux gens. Même Poupée était là-bas. Non, très chères autorités, ne vous faites pas avoir par vos conseillers qui sont à côté là. Ils ne vous disent pas tout. Oui, ils ne vous disent pas tout. 49 soldats, on a donné nos poitrines ici. 49 soldats. Vous savez, tout pays, le progrès de toute une nation part. Passe toujours par la stabilité et la sécurité. Oui. La sécurité de ce pays était menacée. L'eût été la sécurité, cette canne n'allait jamais exister. Nos 49 soldats ont été positionnés. Il y a quel artiste qui s'est levé, vient prendre poitrine comme un patriote, fait même des musiques
placer, créer même des polémiques, attaquer tout un pays. C'est Déborah seul. Très chères autorités, même si vous ne m'aimez pas, il y a quoi? Dites-moi réellement ce qui est fait, il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne sait pas. Mmh. Parce que je me joins à vos côtés, je combats, je me bats toujours à vos côtés. Mais il y a comme l'impression que je ne prêche que dans le désert. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh, hey, Déborah. Ah, il n'arrive pas à croire. I don't crying de ce qui se passe. I don't crying. Très autorité. Vos gars qui sont près de vous, les gars, vous ne renseignez pas bien. Ils n'ont pas bien vous dit. Moi, c'est à vous. Mais vous n'êtes pas à moi. 49 soldats y a bataillé, très chère autorité. Il y a quel artiste que vous avez décoré là qui a pris position? J'ai mis toute une carrière en péril rien que pour ma nation. Mais c'est pour vous, très chère autorité, qui est fait. Aujourd'hui, on parle de décoration. On me dit à chanter quoi? Déborah a chanté quoi? On peut ne pas être reconnaissant qu'à ce point-là. Déborah a chanté quoi? Avant Arafat de par mes featuring. Avec Arafat encore. D'autres featuring. Moi-même en solo. J'ai animé la toile là jusqu'à aujourd'hui. On dit à décoration. Déborah, il est là. Bon, c'est quel critère? On dit non, il n'a pas fait son. Sinon, il a fait un son pour les éléphants. Amwali Kenzo, un réchauffé dans la salle, faut encore. Yali, nous, nous a payé pour aller chanter là-bas, on n'est pas chanté dedans encore. Oh, non, Déborah, tu n'as pas bien chanté, tu as fait un truc, mais il chantait comment s'il réchauffait. Ce n'est pas mon truc, c'est, je n'ai pas créé, donc voilà, il fait ce qu'il a envie, puis on doit aller. Mais j'ai chanté, on a tout chanté pour la canne. Je comprends pas. Si c'est pour chanter pour la canne, j'ai chanté pour la canne. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, dites-moi, dites-moi. Parce que ceux-là, ils sont décorés à ça en vertu de quoi, en fait? Oui. Si c'est pour chanter pour la canne, mais on a vu Francky DiCaprio. On a vu plusieurs artistes qui ont chanté pour la canne. Oui. Vous êtes partis décorés, Yodé sur oui, Yodé sur ouais, eux, ont une histoire. Parce que ces personnes-là nous ont animé de 96 jusqu'à actuellement. Oui, effectivement, oui. Ouais, 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 Yodé sur ouais, ça va. Oui, même à Salfo et les Marie System, oui, ça va. La team Paya, ouais, ça va, ouais, ça va. Bon, en tout cas, les artistes, là, ça va. Mais je veux juste savoir, c'est sur quel critère. Puis nous, on n'est pas décorés. On a chargé 49 soldats. Les Maliens ont commencé à se rebeller ici contre. Mais nous, on a chargé. Déborah a chargé en tant que patriote, en tant que tout. J'ai ramené des sons encore. Et puis, bon, on me dit non, que ah, tu n'es pas dedans. Ah. Très chère autorité, dites-nous, hein, mais dites-moi ce qui se passe. Oui, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un problème avec Déborah, dites-moi. Si c'est un problème de réseau, dites-nous. Si c'est pas si bête aussi, dites-moi. Mais bon, on ne va pas demander une quelconque décoration. Je suppose que ça s'acquiert. Toute décoration, ça, voilà. Voilà. Oui, la décoration. Voilà, ça s'acquiert. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'était juste pour ramener la puce à l'oreille. Vous éclairer un peu. Parce que... voilà. Voilà, c'est la vie, c'est la vie. Oui. On dit non, 49 soldats, à quoi avoir les... 49 soldats, là, s'il n'y avait pas sécurité dans Côte d'Ivoire ici, là, si les soldats de Côte d'Ivoire, si la sécurité de ce pays n'était pas en place, qu'est-ce que quand ils allaient organiser? Jamais. Nos soldats étaient bloqués au Mali, on a chargé. Maman, donnez quoi? Même la Savo, ils n'ont pas pris parole. Ils se sont tués. Yodé, si ils n'ont pas pris parole, ils ont fait un son. Eux au moins, ils ont fait un son. Eux au moins, ils ont fait un son. Mais le reste, là. Hi, moi, ma carrière. Oh. Aujourd'hui, là, moi, Déborah, je ne peux plus partir au Mali. Je ne peux plus partir au Mali. À cause de mon pays. J'ai pris défense de mon pays. Je ne peux plus partir au Mali. Mais voilà, moi, ici. Ah, vraiment, il fait chaud en Côte d'Ivoire. Voilà. Mm-hmm.
Ah, mais non, Déborah, arrête un peu, mettre au travail. Oh, c'est quel travail on n'a pas fait pour vous dans le pays, là? C'est quel travail on n'a pas fait? Puis on a dit s'emmerder encore. C'est quoi on n'a pas fait? Depuis 2000, on chante seulement. On chante. Ça y est, nous, on passe se reposer pour s'occuper de nos familles. Nous, on ne peut pas vivre. Ça y est, nous, on vient, on chante, 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 chante. Oui. On ne peut pas se reposer. On ne peut pas passer à nos activités secondaires. On ne peut pas gérer ça. Alors, on vient vous expliquer une situation, on a encore chanté. Vous n'avez rien à dire, laissez-moi faire de chanter. Voilà. Je chante tous les jours. Et puis, je chante quand je veux. Oui. Voilà. Je n'ai pas besoin de permission de quelqu'un. Ça dépend de moi. Voilà. Sinon, on dit décoration. Là. Nous, depuis, on chante là. On ne voit rien. On ne nous a pas décoré. Mais j'ai compris. Ils ont les critères qu'on ignore. Je ne peux pas vous en vouloir. Mais hein, c'est pas bon. Toi, sur le doté, voyez un peu vos critères et veuillez nous les signifier. On va marcher là-dessus. Si vous nous faites comprendre qu'il ne faut plus faire de clash, ben on ne va plus faire de clash. Voilà. Tranquille. Voilà. Dites-nous. Mais bon, c'est la vie. Donc, bref, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Les gens, c'est bizarre. Quand il s'agit de donner leur poitrine pour la nation, tout le monde rentre dans son trou. Tout le monde fuit. Mais quand il y a affaire d'argent, ils savent que c'est par affinité qu'ils doivent d'abord. C'est malheureux. Et ça ne motive pas. Et on est en train de tuer la culture ivoirienne comme ça, de passer problème même là, même là. Il y a rien interne entre nous. Il n'y a plus de motivation. Rien. Il n'y a plus de motivation. Rien. Voilà un coupé décalé qu'on doit sauver. Un coupé décalé qu'on doit sauver. On vient se mettre à des grands frères. Des tes grands frères. On vient se mettre à Safou. Tranquillement, tu as donné un coup de pouce. Lui-même, il te mène en trou. Bon, ça dit, il veut tuer en fait coupé décalé en fait. Oui. Ah, à ça va mis des bordeaux. Bon, ok. Ça a commencé maintenant. Ziopé. Tu danses à choisir autorité. Tu dis à autorité, ah, c'est comment? On veut sortir un album au moment, Il dit, oui, on a compris. Ah, il est passé à autre chose. Ben, je remercie un monsieur. Monsieur Adama Bitogo. Je remercie aussi le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramo Ouattara, et aussi la première dame, ouais, pour ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire. Et je remercie aussi le gouvernement en place. J'aimerais réellement que vous pensiez sur la cause de ces artistes là-même, ouais. J'aimerais que vous pensiez un peu sur notre culture. Le coupé décalé en baisse, et en baisse, et en baisse, et en baisse. Et aujourd'hui, moi de Bordeaux, je n'ai pas les armes adéquates pour pouvoir rehausser et relever ce mouvement. Alors que c'est un mouvement de jeunesse. Et qui parle de jeunesse, parle de l'avenir. Voilà. Et nous, on a tous nos problèmes, on a tous nos soucis. Le gouvernement ne peut pas tout gérer. Et c'est de par ce coupé décalé là, qu'on arrive un peu à se distraire, à oublier et à noyer nos peines. Voilà un mouvement qui est tombé. On veut relever. On s'accroche à des personnes. Eux là, c'est les plus gros arnaqueurs. Ils nous miroitent et rien du tout. Quelle est l'autorité? Oui. Très chère autorité. Voilà une situation. On fait quoi? Le coupé de calé fait partie de la culture ivoirienne. C'est un visage culturel. Et ce mouvement est en train de s'effondrer. Alors qu'il y a des acteurs qui sont là. Il ne faut pas te confier. Le mouvement est un zouglement. Il ne connaît rien dans notre système. C'est lui qui avait une dictée. Ce qu'on doit faire. On n'est pas dans ça. Très chère autorité, je suis en face de vous. N'ayez pas peur. Si vous voulez réellement nous aider, aidez-nous. Si vous ne voulez pas aussi, on aura compris. Franchement, merci. Déjà pour tout ce que vous faites pour mes frères. Mais il y a un mouvement qui est en train de tomber. C'est le coupé décalé. Aidez-nous à relever nos mouvements de jeunesse. Parce que quand le pays a des problèmes, c'est là-bas. Lorsqu'il y a une situation de précarité, il y a des situations de précarité, c'est dans le coupé décalé là. Nous reconnaissons dans ce coupé décalé là.
aide-nous à relever ce mouvement. Tout ce qui m'a vu, très autorité. Vous faites beaucoup, on comprend. Aidez-nous. Oui. Aidez-nous. Merci beaucoup. C'était moi de Bordeaux, les confrères. Et je remercie tous les fanatiques de Côte d'Ivoire et aussi du monde entier. Les Bordeaux ont dit Sidi qui est venu en Côte d'Ivoire. Aïe, mais il y a quoi au Mali? De Bordeaux, Sidi qui est venu avec la première dame. Ah, mais c'est ma maman. Elle a beaucoup d'enfants. Elle aime tout le monde. Son cœur est blanc. Son cœur est blanc. Oui. Vous vous montrez un peu la beauté de ma maman. Ma maman Dominique Ouattara. Vous voyez un peu. C'est une femme. Son cœur est blanc. Elle porte tout le monde à cœur. C'est-à-dire même les enfants du voisin. Elle les amène ici. Venez manger un peu. Parce que son pays, il n'y a plus rien là-bas. Les gens ont faim. Donc on prend un artiste, là, il va venir manger un peu. Il va aller rendre compte à ses frères maliens. Pour dire effectivement, en Côte d'Ivoire, les gens s'occupent bien de nous. S'occupent bien de nos parents. Et toute sa famille est ici. Hein. Toute sa famille est ici. Papa, il est ici. Maman, ici. Et tous sont ici. Il n'y a rien là-bas dans les pays. Il n'y a rien au Mali. Ils sont dans la précarité. Voilà, c'est lui qui vient commander là, ici. On dit, marche là. Il vient presser dans le moment la première dame. C'est normal. Il a faim. Maman est gentille. Elle va donner quelque chose. Il va manger un peu. Il va donner un peu à sa famille. Ils vont envoyer au Mali. Ils vont se débrouiller. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas courant là-bas. C'est la précarité. Nous sommes les chefs. Oui. Parce que David Debolo allait prester au Mali. Il n'y a pas l'argent. Non, pas l'argent. Nous, on les reçoit, on les donne, puis ils s'en vont. Il n'y a pas l'argent là-bas. Ah. S'il veut, il n'a qu'à se blesser si c'est son problème. Une chose est sûre, on n'est plus prêt pour lui. Ça n'intéresse personne. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. C'est ça, voilà. On dit, Debolo, tu as fouillé, tu as un côté malien, sacrilège. Il rejette ça. Arrière de mon Satan! Hey! À d'abord, quoi? Moi, il y a un modèle de Sidi qui modèle ça, la mouille de Samasa. Y'a le mimi! Aïe, y'a ma beauté. T'as dit, Baba. Y'a Sidi qui est Debolo. C'est le même modèle. Des féticheurs comme ça. Bon, bref, c'est pas ça autre chose. Donc, voilà, nous, de par nos maigres moyens, quelque chose d'autorité, nous allons nous battre pour essayer en quelque sorte de rehausser encore le niveau du coupé décalé. Mais on souhaiterait franchement que vous nous aidiez un peu, voilà. Et aussi à recevoir encore des encouragements de votre part, voilà. Voilà, parce que là, il y a eu des décorations, on ne sait si quels critères, certains ont été décorés, ça a fait beaucoup de buzz et puis beaucoup de frustration, des frustrés aussi. Franchement, je ne sais pas, voilà. On s'est battu, on continue de se battre pour la nation, mais... Voilà, on se sent biaisé, voilà, c'est vraiment pas beau, voilà. Donc, on est ensemble, c'est la famille, et que Dieu bénisse... toute la Côte d'Ivoire, je suis de Bordeaux, les confas. Voilà, progressivement, j'essaie un peu d'éclairer la lanterne et donner un peu mon point de vue et mes idées. Je vais me mettre au travail, soyez sans crainte. Hein. Voilà. Ben, très cher Ivoirien, il sera préférable qu'on soit solidaire autour de notre culture et qu'on sorte un peu des problèmes internes et puis des problèmes de personnes, tout ça qui doit gouverner tant. Que la solidarité gagne nos cœurs et surtout l'amour du prochain. Allons toujours à regrouper et non détailler. Aujourd'hui, les gens rient parce qu'il n'y a rien qui les concerne. Ne vous pressez pas. Ce qui arrive à Naklo-Klo arrivera à Naklakla. Soyez patient. C'est juste une question de temps. Rien de tortines, ça là. Chacun va manger. Vous n'êtes pas des enfants. En ensemble, c'était des Bordeaux de Koufa. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, car moi, seul Dieu me gère. Soyez sans crainte. Je vous aime, c'est la famille. Et très cher les journées, il y a des musiques qui arrivent. Soyez sans crainte. On est en train de régler un peu certains détails. Quand on finit de régler là, et puis on partit non-stop. Voilà. J'ai dit, on dépassait My System. On dépassait Alpha Blondie. On dépassait les Tikenja. Ceux-là, moi, je vais les dépasser tous. Voilà. Ils ont déjà vu. L'avenir, c'est dans nos mains. Allons ça. Et on va croire. Allons. Voilà. Donc, merci, c'était moi de Bordeaux, les confrères. Dieu vous bénisse.
Ciao, ciao. Faites partager ce direct, envoyez ça partout dans le monde. Je vous aime. Les Bordeaux, les confis. Oh, il n'y a pas envie de vous quitter, mais je dois partir. J'ai faim. B. Rire après. Ouais, fini. Ça va après. Yo, pas brésil là, champion. Ah. Pas brésil là. On est ensemble, ciao, ciao, les gars. Partez maintenant, c'est fini, partez. Ah. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, je vous aime. Et prenez la peine de jeûner aussi. Hein. Priez au réveil, matin, midi et soir. Seul Dieu a le dernier mot. Ciao, ciao.